J'ai actuellement 24 heures pour tester toutes les façons d'être banni de Fortnite. Et pour pimenter mon défi, je le ferai sur ce compte avec ce skin ultra rare. Ok, je vais commencer par la première astuce, qui est de lancer des games en duo comblé pour troller mes coéquipiers jusqu'à la mort. Allo, allo, Baptiste ? Ouais, allo ? Ça va ou quoi, frérot ? Ouais, t'es pas un youtubeur ou un truc du genre, toi ? Non, pas du tout, je suis un tiktoker. Pourquoi tu t'appelles Signale-moi ? Bah, parce qu'en vrai, je suis un peu un hacker en ce moment et je fais plein de bêtises pendant la nouvelle saison. Ah ouais, avec ton combo de malade ! Allez, suis-moi, on va aller ici. Est-ce que ça te dirait que je te montre un glitch? Ouais, si tu veux. Ok, super, on va atterrir et je te montre ça. J'espère que t'as pas peur de perdre ton compte, hein, car c'est un glitch très dangereux. Non, non, t'inquiète. Mais pourquoi tu t'appelles Signale-moi? Toi aussi, t'es trop con, hein. Je sais pas. Tu fais des glitches et tu t'appelles Signale-moi, y'a un truc qui est pas logique, hein. Frérot, te pose pas de questions, mon objectif c'est de perdre mon compte ultra rare. Bref, allez, go farmer et après on fait le glitch. Mais parle correctement, non, putain. Mais calme-toi, frérot, allez, farme un peu là, je t'ai dit. Viens, s'ajoute ton ami. Attends, d'abord on fait mon glitch et après je t'ajoute, ok? Fais gaffe, tu vas te ban. Non, t'inquiète, suis-moi s'il te plaît. Ok, super, t'es là. Donne-moi ton éclair, s'il te plaît. Merci. Alors, tu dois juste aller là et c'est tout. C'est bon, t'es prêt? Mm-hmm. On va faire un glitch du coup avec l'éclair de Zeus. Et normalement, tu vas atterrir de l'autre côté de la map. Vas-y. Compte jusqu'à 3, s'il te plaît. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Merde! Putain, mais t'es sérieux? Pourquoi t'es à quatre pattes? Pourquoi t'es mort? Le glitch, il a pas marché? Réanime-moi, s'il te plaît. Vas-y, je te réanime, mon ref, désolé. Tu me crois ou pas que je voulais tester un vrai glitch? Potentiellement, mais là, je suis mort. Mais il se passe quoi? Je t'ai réanimé et c'est appuyé sur le truc de Zeus. Mais c'est quoi ce bug? J'ai 2 HP, t'as pas intérêt de l'acheter. Non! Oh, mais t'es vraiment un bâtard, toi, oh purée. T'inquiète pas, je suis un bon, je te réanime directement, Abus. Je te jure, c'est pas de ma faute, hein, c'est un bug de la nouvelle saison. Je t'ai la même voix, vas-y Renz. Mais pourquoi t'écoutes la vidéo d'un youtubeur que je regarde tous les jours? C'est pas Sup Hugo? Bah oui, mais t'as juste la même voix. Bah t'es au courant que je l'aime trop et tout le monde me dit ça, c'est trop drôle. Oh bon Renz, je te jure ça, c'est pas drôle. Je te jure c'est pas de ma faute, j'ai un énorme bug. Ça change mes armes tout le temps, regarde. Vas-y, vas-y, bah spam ta touche truc. Ça vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon gros, ça marche pas, désolé, j'abandonne, hein. Le bus il est cassé. C'est pas très gentil de faire exprès. Tu veux que je t'avoue un truc? Ouais. Depuis le début, je te troll et j'ai fait exprès de te tuer. C'est trop con, hein, je sais, hein. Donc s'il te plaît, comme je t'ai trollé et que je t'ai tué, est-ce que tu pourrais me signaler? Ouais, ouais, mais alors tu me réanimes. Bah tu sais quoi, tu me signales maintenant et ensuite je te réanime. Je te signale pourquoi? Pour tricher pirate. Tu dis que je suis un hacker, que j'ai un aimbot et que je t'ai arnaqué et que je t'ai trollé. Envoyé, voilà. C'est bon, c'est fait? Ouais. Merci mon pote. Par contre, je suis un trolleur jusqu'au bout, du coup je me suicide. Jamais je te réanimerai. Oh, je te déteste. Je vais signaler encore 1000 fois. Salut Bambi, est-ce que t'as un micro? Oui. Tu vas bien? Oui. Vas-y, viens, on va là. Pourquoi tu t'appelles Signale-moi? C'est ma petite sœur, elle a changé mon pseudo. Bah là, t'es sûr qu'on va te signaler? Oh, ça me dérange pas, t'inquiète. Et toi, pourquoi t'as un skin Bambi alors qu'on est déjà au chapitre 5, saison 2? Parce que je me suis fait ban. Ah mince. Ok, y'a un mec là-bas. Touché 21. Hop là. Dans ton cul. Frérot, on va se calmer. En vrai, là, quand j'y pense, t'es un faux Bambi. T'as fait un kill. Non, en fait, c'est pas que je suis un faux Bambi, c'est juste que c'est un nouveau compte. Ah oui, car on t'a ban ton compte. Voilà. Bah, t'as vu là, moi j'ai un compte ultra rare et mon objectif, c'est aussi de me faire ban mon compte. Ah bah, t'en fais pas, je peux t'aider. Ah ouais, comment? Bah, tiens, non. Ok, ok. J'ai des répus. Vas-y, est-ce que tu pourrais me les donner, s'il te plaît? Et je te montre un glitch incroyable à faire avec. Tiens. Merci, frérot. C'est quoi ton glitch? Tu vas voir ça très bientôt. Juste avant, on doit aller dans la nouvelle zone car il y a la tempête qui arrive. Ok, c'est bon, on vient d'arriver dans la nouvelle zone. Suis-moi s'il te plaît, on va faire le glitch de malade. Par contre, j'espère que t'as pas peur de te faire ban ton compte, hein, car le glitch est très dangereux. Ça me dérange un peu de me faire ban. Non, t'inquiète, en vrai, on va faire un petit glitch. Je rigole, suis-moi. Et je l'ai fait à la game d'avant, le mec a été choqué. Mets-toi ici, s'il te plaît. Ici, là, dans le coin. Ouais, du coup, c'est très simple. Je vais edit en une seconde et en même temps, je vais lancer une répulse. Et normalement, ouais, t'iras de l'autre côté de la map. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon. Wesh frère. Ah merde, t'es KO, qu'est-ce qui se passe? C'est normal qu'on ait un bouclier. Non mais toi t'es vraiment le roi des Bambis. Quand on met quelqu'un KO de chute, il garde son shield, hein. Bon, y'a la tempête qui arrive, je te ramène en zone et je te réanime, ok? Il me reste pas beaucoup de temps, hein. Vas-y, bah je te réanime ici, ok? Vas-y là. Désolé pour le glitch, hein, ça a bugué, on l'aurait essayé après. Ouais. What? Bah. Désolé, attends, y'a ma touche qui bug. Non! T'es mort? Ouais. Je suis un bon, t'inquiète. Je vais directement te réanimer dans la zone. Allez, je construis et c'est bon, je te réanime et go faire top 1, ok? Ouais. Moi de base je joue avec des potes mais ils m'ont laissé tout seul. Ah, je pense que c'est des racistes des skins Bambis, hein. Oh là là, ça bug, c'est pas possible! Tu m'apparaisses là. Tu veux qu'en vrai je te dise la vérité? Ouais. Je te réanimerai jamais. T'es sérieux? Ouais. T'es tombé sur le plus gros troller de tout Fortnite. Et là, je joue sur mon compte ultra rare. Et mon objectif, c'est de me faire ban. Donc, s'il te plaît, signale-moi. C'est fait là. Ah ouais, tu viens de me signaler? Bah ouais. Ok, est-ce que tu peux le refaire encore une fois, s'il te plaît? Ça a été fait. Tu m'as signalé combien de fois? 2 fois. Bah, merci beaucoup, frérot. Allez, à la prochaine! Bonjour, signale-moi. Salut, Sup Lucas, ça va ou quoi? Oui, ça va. Ok, ok. Suis-moi, on va spawn dans le désert. D'accord. Je vois que t'as mis Sup dans ton pseudo, t'appartiens à une team? Oui, à la team Sup. C'est pas la team d'un youtubeur? Si. Ok, ok, bah trop cool. Ok, y'a un mec sans moi, il est là.
Ouh, t'es chaud! On me le dit souvent. Après, ça se voit avec ton skin de super-héros, hein. Je te propose qu'on aille au coffre et juste après, je vais te montrer une dinguerie que j'ai découvert à la saison 2. Ok. Tu vois le sable qui est tout là-bas? Oui. Est-ce que tu savais qu'il arrêtait les dégâts de chute? Ah bon? Ouais, ouais, suis-moi, tu vas voir ça, c'est une dinguerie. D'accord. Ok, on vient d'arriver en plein désert et est-ce que t'es prêt du coup pour tester ça? Ouais. Juste avant, go tuer ce mec qui est devant nous! Ça dégage. Okay. Allez, suis-moi s'il te plaît. Et t'inquiète pas, tu ne risques pas de mourir. Je l'ai fait juste avant et j'ai pris aucun dégât. Allez, c'est bon, tu peux sauter, Lucas. Putain, tu m'as arnaqué. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Mais tu m'as arnaqué depuis le début. Mais tu dis n'importe quoi. Le sable arrête les dégâts de chute. T'as vu, ça marche pas. Je te déteste. Mais non, c'est pas possible. De base, ça marche. Tu dis n'importe quoi, je te signale. Let's go. Bon, après m'être fait signaler des dizaines de fois, il est l'heure de passer à la deuxième astuce qui est d'arnaquer des enfants. Allô les gens, qui voudrait gagner le nouveau pass de combat de la saison 2 gratuitement? Tu veux l'avoir toi? Toi aussi tu veux l'avoir? Mais les gars, vous avez pas de micro. Moi j'ai un micro. Ah ouais, t'as un micro toi? Oui. Ok, du coup tu seras intéressé pour avoir le nouveau pass de combat de la nouvelle saison 2. Oui. Ok, bah prends quelques armes et je vais t'expliquer tout ça. Ok. On va se poser ici et après on va parler affaires. Du coup toi ouais. Mon pote, si j'ai bien entendu avant, tu serais intéressé pour que je t'offre le nouveau pass de combat gratuitement. Oui, mais comment on a ça? C'est très simple, t'as juste 2-3 trucs à faire avant. C'est quoi? On est d'accord, t'as des parents? Oui. Ok, super, et j'avais une petite question indiscrète. Ils ont des cartes bancaires? Oui. Et tu sais elles sont où? Dans le porte-monnaie de mon père. Ok. Et ce serait possible que tu me donnes les numéros qui sont marqués dessus? Oui, je vais aller chercher la carte bancaire de mon père. Non, mais frérot, t'es un malade, je rigolais. Mais moi, je veux le pass de combat. Je sais, mais là, j'ai pas voulu te l'offrir, j'ai plutôt voulu t'arnaquer. Ah bon, mais t'es fou? Je suis désolé, poteau. Mais est-ce que pour la peine, tu pourrais me signaler, s'il te plaît? Bah oui, tu mérites que ça. C'est fait, je t'ai signalé 3 fois. Merci beaucoup, mon pote, à la prochaine. Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un a un micro? Bon, bah, je pense malheureusement qu'il y a personne qui a de micro, du coup, je vais quitter. Si, moi, j'ai un micro. Ok, super, t'es où, mon pote? Je suis vers le box fight. Vas-y, j'arrive. C'est toi devant moi en Bambi là? Oui, c'est moi. Oh, t'es trop mignon, mais pourquoi t'as un petit skin Bambi? Car j'aime pas la boutique de la nouvelle saison. Ok, mais rassure-moi, dans ton casier, t'as pas que le skin Bambi, t'en as plein d'autres. Oui, j'en ai plein d'autres, j'ai plein de V-Bucks. Ok, trop cool. Est-ce que t'as le pass de combat? Non, j'ai pas celui de la nouvelle saison. Ah, dommage. Et est-ce que ça te dirait que je te l'offre gratuitement? Oui, avec plaisir, mais t'es sûr que t'as assez d'argent? Eh, hey, frérot, t'as pas vu le skin de malade qu'il y a devant toi ou quoi? Si, je l'ai vu, il est incroyable. Merci, mon pote. Bref, pour que je t'offre le pass de la nouvelle saison 2 gratuitement, j'aimerais juste avant que tu me prêtes ton compte pendant 10 minutes. Ouais. T'inquiète, hein, c'est pas de l'arnaque. Sache que mon compte vaut 1000 fois plus que le tien. Bah, y'a intérêt. Allez, donne-moi tes identifiants et ensuite je t'offre directement le pass de combat de la nouvelle saison 2. Ok, je te donne tout de suite. Mon mail c'est. Attends. Ne dis pas ton mail s'il te plaît. Mais pourquoi? C'est ce que tu m'as demandé. Car je vais te dire la vérité. J'allais pas t'offrir le pass de combat de cette nouvelle saison, mais j'allais plutôt voler ton compte pour t'arnaquer. T'es sérieux là? Ça se fait pas. Ouais, je suis désolé, je sais, ça se fait pas du tout. Mais est-ce que tu pourrais lire mon pseudo s'il te plaît? Signale-moi. Ouais, c'est totalement ça. Donc, s'il te plaît, signale-moi maintenant. Ok, mais tu vas être ban vu que t'es un arnaqueur. T'inquiète pas, justement, c'est mon objectif. Et t'as pas peur de perdre ton compte ultra rare? Non, justement, c'est fait exprès. Bon, je m'en fous, vu que t'es un arnaqueur, je t'ai signalé. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui, mais faudra pas pleurer quand ton compte sera banni à vie. Merci beaucoup, et non, t'inquiète, je vais faire la fête. Ok, les potes, c'est le moment de passer aux choses sérieuses en faisant team up en classé. Et sachez qu'à tout moment, je peux me faire ban tellement je me suis fait signaler avant. Ok, y'a un mec sur moi. Je suis gentil, me tue pas. Ok, tire plus. Je pense qu'il veut être ami avec moi. Ok, il m'envoie une emoji. Bah, let's go, les gars, c'est incroyable. Y'a un mec devant! Go le tuer! Mort! Let's go! Je viens de sauver mon pote! Je sais pas il va où, mais je vais le suivre. Alors, il a combien de top 1 cette saison? Ok, il en a fait un, pas mal. Allez, c'est parti pour aller faire des kills avec mon nouveau duo en solo classé. Et j'espère qu'il va pas pleurer, les amis. Si dès qu'on fait top 1 ensemble, on est ban à vie de Fortnite. Crac! Mort! Vraiment là les gars, je dois le coller un maximum pour avoir le plus de chances d'être banni à vie de Fortnite. Ok, go les tuer! Mort! Ok, il y a un mec sur mon pote. Go le tuer à deux! Crac! Mort! Let's go mon frérot! Oh là là, c'est incroyable d'être en classé les gars en duo vs solo. Mais il a pas intérêt les gars à pleurer s'il perd son compte à la fin de la game. Ok, il y a un mec là. Moi 24. Va pas rush tout seul mon frérot, tu vas mourir. Oh, il vient de faire un kill, magnifique. Allez, mort. Go coller maintenant, mon ami. Allez, on est en top 11, mon poteau. On peut le faire, on est bientôt au top 1. Oh non, mon pote, il a pris une balle de snipe. Allez, je suis un bon, je leur donne des minis.
Non, quoi? Les gars, je crois que j'ai été ban de la game. Un problème est survenu. Vous avez été retiré de la partie parce que vous trichez. Bah, vous savez quoi? Je vais continuer à team up encore et encore jusqu'à être ban à vie de Fortnite. Me tue pas, frérot, je suis gentil. Me tue pas. Je suis gentil, mon ami. Tiens, tiens, du shield. Je te donne tout. J'ai 10 HP, les gars. Oh, il me donne mon kit, c'est un bon. Ce mec allait m'éclater, les gars, avec le tonnerre de Zeus. Mais finalement, il m'a épargné. C'est incroyable. Et ça, je pense du coup que c'est grâce à mon skin ultra rare. Et regardez, comme j'ai un skin rare, il me donne le tonnerre de Zeus. Oh, c'est le meilleur. Allez, c'est parti, je suis avec mon nouveau poteau dans une voiture Rocket League. On voit un mec là-bas, il est en train de s'asperger. Viens, on va le rush. Ok, il est là, je peux le tuer avec la foudre de Zeus. Mort, let's go. C'est grâce à lui, les gars, sans la foudre de Zeus, on serait morts tous les deux. Allez, suis-moi, on va dans la nouvelle zone. Par contre, là, les gars, si avec mon nouveau poteau, je me fais ban une deuxième fois de la game, à tout moment, je risque d'être ban à vie de Fortnite. Mais bon, tant que mon poteau n'est pas ban à vie, tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 pas de skybase. Ah, il est fou, lui, on va se faire éclater. Ok, normalement, il y a un mec juste devant nous. Et il est dans la voiture, mort. Bien joué, mon frérot, on va faire top ensemble. Là, il m'a l'air très content, mais à tout moment, il finit aussi en pleurs comme l'autre. S'il perd son compte à cause de moi. Ok, y'a un mec là. Mort. Y'a un mec là, mec, j'ai besoin d'aide. Y'a un Zeus sur moi. Touché. Mort. Oh là là, on a eu trop chaud. On est en top 8, les gars, bientôt le top 1. Et là, pour le moment, c'est super, on n'est pas bonne de la game. Oh non, j'ai parlé trop vite. Je viens de me faire karma. J'ai encore été une fois de plus retiré de la partie car j'ai triché. Mais moi, je vous l'ai dit, je m'arrêterai jamais. Je suis gentil, mon ami, je suis gentil. Ça va ou quoi? Il vient de spawn à côté de moi, on n'a pas d'armes tous les deux, je suis mort. Allez, suis-moi, on va se loot. Je suis tellement un bon, je vais casser le coffre et lui donner. C'est pour toi, cadeau. Garde tout, mon pote. Non, 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 c'est pour toi. C'est pas parce que j'ai un skin rare que tu dois me donner tout ça. Par contre, fais gaffe, il y a un méchant là. Oh, il veut aussi faire ami, les gars. On est trois copains, let's go, tiens des bandages. Par contre, attention, il y a aussi un mec là. Ok, il veut aussi faire ami, les gars, on est quatre. Regardez les frérots, c'est une dinguerie. 1, 2, 3, 4 avec moi. Oh là 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 là, si à la fin de cette game, je suis pas bon à vie, je comprends rien. Et on est 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi cette dinguerie? Je vous avoue, j'ai un peu peur qu'il y ait un traître, mais c'est pas grave. On va faire team up à 5 et faire top 1 à 5. J'ai une idée, on va construire une super base tous ensemble. Voilà, là on est bien avec ma petite team. Bon les potes, je reviens. Je vais aller me chercher un peu de shield. Je pense que les gars, nous 5, on va être amis pour la vie. On est déjà en top 24. Et c'est incroyable, on est encore tous les 5 en vie. Là les mecs, en vrai c'est super drôle. À tout moment, nous 5, on se fait ban à vie de Fortnite. Et en vrai c'est pas drôle mais plutôt triste. Car je pense que eux 4, ils savent pas que mon objectif c'est ça. Regardez, on vient d'améliorer la base. Par contre, il y a vraiment personne qui ose nous rush, hein. Ok, la base est en train de se fight. On tire avec la team. Oh les gars, je viens d'être ban une troisième fois d'affilée d'une game. Et ça me redit, une erreur est survenue. Parce que vous trichez. Mais c'est pas possible, même en faisant team up avec 4 adversaires en même temps, je suis toujours pas ban de Fortnite. Donc vous savez quoi, j'en ai marre. On passe au niveau supérieur car je vais utiliser des hacks en créatif. Allô, allô, allô. Tu m'entends? Ouais. Allô. Oui, je t'entends, je t'entends. Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, tu veux un V1? Vas-y, chaud, mais je suis nul. Mais non, t'inquiète. Bref, attends 2 secondes, je reviens. Ouais, refrérot. Ouais, frérot. Allez, c'est parti, hein. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je te vois pas, là. Je pense que t'as oublié de mettre tes lunettes. Wesh. Touché. Tu me tires d'où, là? Bah, j'ai la hauteur. Crac, oui. Ça va? Mort. Wesh. Pourquoi j'ai vu ta pioche? Comment ça? Bah, j'ai vu ta pioche et je t'ai pas vu, toi. Tu parles de ça? Attends, mais t'es invisible. Tu viens seulement de le remarquer maintenant. Bah, ouais, t'es un hacker. Mais pas du tout, tu racontes quoi? Pourquoi y'a que ta pioche qui bouge? Je sais pas, ça doit être un bug du jeu. Là, je te vois plus du tout, t'es où? À côté de toi. Touché. Wesh. Mort! Tu peux arrêter de cheat là? Mais je cheat pas, je t'ai dit, c'est un bug du jeu. Bon allez, j'en ai marre, je te signale. Non, 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 s'il te plaît, ne signale pas! Si, t'es un hacker. Bon bah ok, tant pis, hein. Si je suis ban, en tout cas, ça sera de ta faute. Ouais, bah tu mérites que ça. Et si tu me tues encore une fois en invisible, je vais envoyer un mail à un employé d'Epic Games. Ok, bah alors, go tuer! Allez, c'est bon, dans moins d'une heure, t'es ban. Yes! Salut frérot, tu veux un V1? Vas-y, pourquoi pas. Ok, super, juste avant, je vais activer mon wallhack. Attends quoi? Oh, t'inquiète, c'est un petit M-bot. Voilà, c'est bon. Wesh, mais pourquoi y a un gré rouge autour de toi là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi y a ça? Bah car mon pote, j'ai activé un wallhack. Ah mais t'es fou, mais c'est un hack ça. Exactement, c'est un peu un M-bot. Ah bah non, c'est mort en fait, j'ai pas envie de faire un agent contre toi. Mais pourquoi? T'as peur de te faire ban? Bah ouais, j'ai pas envie de jouer avec un cheater. Oh mais allez, c'est bon, on fait le premier en une manche gagnante. Non non, je vais plutôt te signaler. Écoute-moi bien, tu me signales, je te hack ton compte. Bah écoute, je quitte et je vais te spam de signalement.
Oh quoi? Il vient vraiment de quitter? Et du coup, c'est parfait! Il va vraiment me signaler car je l'ai piégé avec des faux hacks! Ok, là, on est parti pour tester une nouvelle façon d'être banni de Fortnite. Je suis actuellement sur une map interdite qui va me permettre de passer du niveau 1 au niveau 100 en moins de 10 minutes. Car oui, je vais faire les amis un glitch XP de malade qui est totalement bannissable par Fortnite. Par contre, si je me fais bannir pendant que je le fais, c'est totalement normal tellement on m'a signalé avant. Et soyez pas choqués si à la fin de ce glitch XP, je suis au palier 100 du pass de combat. Bref, pour commencer, je dois aller tout là-bas dans ce coin. Ensuite, j'appuie sur ce bouton secret, je fais une danse, et là les amis, je vais devoir débloquer ce compteur, et juste après, je gagnerai une tonne d'XP. Donc c'est parti, je viens de lancer le chronomètre. Ok, c'est bon, le compteur est à zéro. Maintenant, j'appuie sur le bouton exit, je vais sous cette rampe du BF, et j'appuie sur ce bouton XP, qui me donne à partir de maintenant, de l'XP en mode AFK. Mais ça, c'est rien, comparé à ce qu'on va avoir dans quelques secondes. Là, je suis de retour dans mon petit coin, je redanse, et je vais me coller près de l'ordinateur, pour débloquer énormément d'XP avec ce bouton, c'est parti. Et regardez, boum, je commence à gagner des milliers d'XP par seconde, mais c'est que le début. Je vais derrière l'ordinateur et j'appuie sur ce nouveau bouton. Ensuite, je vais près du canapé, j'appuie aussi sur ce bouton, et regardez les potes, je suis bientôt à 50 000 XP de gagné. Normalement, il doit aussi y avoir un bouton au milieu, ok, je l'ai vu, il est juste là. Hop là, j'appuie dessus, et on a dépassé les poteaux, les 50 000 XP de gagné. Là, je retourne à la sortie, et je vais aller derrière ces trucs. Normalement, je dois aller derrière le premier. Et là, j'appuie sur ce bouton pour accéder à une nouvelle salle secrète. Je me dirige d'abord près du gâteau. J'appuie sur ce bouton XP. Ensuite, je vais près de la station essence et j'appuie aussi sur ce nouveau bouton XP. Et là, j'ai plus qu'à attendre quelques heures. Ok, les potes, après plus de 6 heures à être passé sur cette map pour faire des glitch XP, je n'ai pas été banni et ça m'énerve. Je pense que depuis le début de mon défi pour me faire ban, j'ai dû me faire signaler minimum 250 fois. Et c'est pas normal, j'ai même pas eu un avertissement. Donc malheureusement c'est un échec. Moi je vais vous dire à la prochaine. Et n'oubliez pas, ne faites jamais ce que Supugo fait dans ses vidéos. Allez, ciao.